merci pour votre question. C'est effectivement une question un peu délicate. Bon, tout d'abord, en premier lieu, j'aimerais dire que je suis loin d'être la seule dans ce type de programme. Il se trouve qu'en Tunisie, effectivement, c'est la première fois que nous avons un statut d'une telle envergure. Nous sommes le premier pays à être associé à un programme européen pour la recherche et l'innovation. Et effectivement, j'ai été appelée à occuper, à être directrice générale et à occuper ce poste-là. Je n'utiliserai peut-être pas le mot d'embûche, mais de complexité. C'était effectivement d'une immense complexité de pouvoir intégrer cette mission. La mission qui m'avait été confiée à l'époque par Monsieur le ministre était effectivement très délicate. Pourquoi était-elle aussi délicate? Parce que nous n'avions pas mis en place, nous n'étions pas vraiment préparés à ce moment-là pour l'implémentation d'un programme d'une telle envergure. Réfléchir à l'échelle nationale, mais aussi pouvoir mettre des consortiums à l'échelle internationale, faire connaître l'excellence scientifique tunisienne, faire émerger nos talents était extrêmement ambitieux, était d'une grande ambition, et il est vrai que nous avons porté cette ambition et nous avons porté un projet avec toute une équipe, et je pourrais dire comment mes collaborateurs ont été sélectionnés. Ils ont été vraiment triés sur le volet pour pouvoir conduire cette mission. Il fallait s'entourer, il faut s'entourer. Il faut s'entourer de personnes très compétentes dans des situations pareilles. Vu au regard de la complexité et de l'envergure de ce programme, il fallait faire preuve d'innovation et il fallait faire preuve de créativité, énormément de créativité pour pouvoir mobiliser toute une équipe. Donc autour de moi, effectivement, j'ai pu sélectionner une quarantaine de collaborateurs qui sont des professeurs, des chercheurs de très haut niveau, à très haut potentiel, des ingénieurs de projet, des administratifs. C'est-à-dire que c'est un public professionnel très diversifié, extrêmement hétéroclite, parce que pour gérer ce type de programme, nous avons besoin de tout le monde. Nous y avons réussi parce que nous avons eu des personnes qui ont été extrêmement engagées, convaincues par cette ambition qui était portée de vouloir réussir, de vouloir faire que la Tunisie puisse réussir son adhésion à ce programme. Dans le cadre de ce programme, j'ai souhaité lancer ce concept qui est connu dans les programmes européens, qui est assez récent même, parce que depuis 2017-2018, la Commission européenne a aussi lancé une vaste campagne sur ces concepts. Mais pour la Tunisie, c'était vraiment un défi. Pourquoi ? Parce que mettre autour de la table ensemble et travailler conjointement avec le ministère des Affaires étrangères, les ambassades, les différentes ambassades qui sont concernées, mais en même temps des chercheurs de très haut niveau, des conseillers scientifiques, nos conseillers scientifiques du programme, et discuter avec la Commission européenne à l'échelle internationale, de discuter des stratégies, de défis qui vont converger, de priorités communes comme le changement climatique, comme et d'autres, beaucoup d'autres thématiques, tout ce qui a un lien avec la cybersécurité, tout ce qui a un lien avec l'environnement, l'économie circulaire, l'énergie renouvelable, les questions spatiales également, de mouvements migratoires, des populations. Tout cela, mettre la science au service de la société pour que ce dialogue inclusif puisse se faire entre différentes parties prenantes qui habituellement ne communiquent pas dans leur langage, dans leur échange habituel, c'était pour nous au cœur même de ce que nous avons appelé la diplomatie scientifique dans notre programme, et quelque part nous y avons réussi parce que nous avons pu mettre en place ces canaux de communication avec différentes parties prenantes pour pouvoir faire montrer et positionner la Tunisie
à un niveau international qui fait qu'aujourd'hui la Tunisie est vue aussi autrement comme étant un pays qui a un potentiel et un réservoir scientifique et un capital scientifique de très très haut niveau avec laquelle nous pouvons fixer des stratégies, élaborer des processus. C'est une question qui me touche particulièrement et qui me tient à cœur, ce que vous demandez. Parce que un des défis, les défis que nous avions ensemble avec nos points de contact nationaux et nos conseillers scientifiques, qui sont notre réseau d'excellence du programme, avec qui nous avons réalisé tout cela, que j'ai pu manager et que j'ai pu diriger, mais piloter et coordonner surtout. Ce que j'ai fait, c'est du management à haut niveau, à haut potentiel. Nous avons quelque part réussi quelque chose d'important. Nous sommes passés, et ce sont les résultats qui sont factuels, ce sont des chiffres, ce sont des faits. Ils sont là pour le prouver. Nous sommes passés, pour vous donner quelques chiffres clés, nous sommes passés de 7 projets en 2016 à 61 projets actuellement, sur des thématiques pour lesquelles la Tunisie est extrêmement bien positionnée. L'environnement, l'énergie, le changement climatique, les questions liées au stress hydrique, les questions liées à la mer Méditerranée et au plastique, des questions d'enjeux de société aujourd'hui, à l'échelle internationale et à l'échelle de la coopération entre l'UE et la Tunisie, au niveau scientifique. Il est très important d'assurer pour nous la pérennité et d'assurer que cette performance-là et tout ce qu'on a fait comme effort et comme investissement puisse devenir quelque chose de pérenne et qu'on puisse aller plus loin et qu'on puisse encore développer davantage cet effort de coopération internationale, de coopération avec l'Europe. D'ailleurs, pour cela, nous avons, dans l'implémentation de notre programme, pour nous accompagner, nous avons été en mesure de mobiliser un appui avec le concours de la délégation de l'Union européenne et la Commission européenne, un programme d'appui à l'éducation et la mobilité pour la recherche et l'innovation, le programme EMORI. Et c'est un programme justement qui nous a accompagnés à un moment donné pour pouvoir développer ces nouveaux métiers, développer l'ingénierie des programmes de recherche, former des grandes communautés de chercheurs, faire du coaching, faire de l'accompagnement et également nous accompagner à développer ce bilan d'association à Horizon 2020 pour que l'on puisse accéder à de prochains programmes. Notre futur, comment on le voit ? Notre horizon, comment on le voit ? On le voit à travers nos perspectives, on le voit à travers l'adhésion à Horizon Europe. C'est le prochain programme cadre, c'est-à-dire que Horizon 2020 prend fin en 2020, 31 décembre 2020. À partir de janvier, nous allons avoir Horizon Europe. Bon, c'est très difficile d'y accéder, bien sûr, parce que c'est encore un autre programme très compétitif et qui sera encore plus compétitif ou autant que celui-ci. Mais la différence, c'est qu'entre-temps, nous avons un positionnement très intéressant dans le cadre de la coopération UE-Afrique. Pour l'UE-Afrique, nous avons un positionnement important, car nous sommes un pays qui dispose déjà de l'ingénierie de ses programmes. Nous sommes extrêmement bien positionnés sur un certain nombre de thématiques, puisque nous disposons d'une excellence scientifique dans un certain nombre de thématiques. Donc notre potentiel révélé à travers ce programme, c'est Horizon 20 qui nous aura révélé l'excellence de ce potentiel et de ses capacités de recherche feront que nous pourrions être des partenaires privilégiés de l'Europe dans ce programme futur. Il faut en être fier. Il faut en être fier. Il faut reconnaître les succès. Le seul déficit, si je puis dire, je reviendrai après sur les résultats de la femme, le seul déficit que nous constatons encore, c'est que les femmes, bien qu'elles soient extrêmement brillantes et porteuses, enfin qu'elles arrivent à porter des projets de très haut niveau en recherche et innovation, n'occupent pas autant de postes que cela en tant que directeur de programme de recherche ou bien en tant que directrice de laboratoire de recherche. Nous n'avons pas suffisamment
la proportion n'est pas, si je puis dire, équitable, quelque part, entre le nombre de femmes, effectivement, chercheurs, mais les postes dans la haute fonction publique qui sont occupés par les femmes, on constate quand même encore un net déficit dans ce sens. Et je pense qu'il y a encore un grand effort, un grand travail à réaliser sur l'approche genre sur ces questions-là. Pourquoi les femmes sont aussi... Moi, je reviendrai à un point en premier lieu historique. L'investissement dans l'éducation qui a été fait dans notre pays est juste énorme. Pour justement avoir donné la possibilité à totale égalité, l'accès de façon équitable aux femmes comme aux hommes pour l'éducation. Et cela a permis et a fait que vous retrouvez dans ces trajectoires, dans ces parcours d'un aussi haut niveau, des talents féminins qui ont des prix de l'innovation en nombre important, en qualité, parce que ce n'est pas seulement de la discrimination positive, ce sont aussi des personnes qui sont extrêmement compétentes et qui ont des projets de très haute qualité. C'est ce que l'on constate en tout cas dans nos projets Horizon 2020. Vous savez, nous sommes très nombreux à travailler dans l'ombre. Nous sommes ce qu'on appelle toujours, je dis à nos équipes, des soldats de l'ombre. Nous sommes cachés, nous ne sommes pas visibles. Parce que ce que nous le faisons pour notre pays. Je ne pense pas que ce soit une question ici de femmes ou d'hommes. Bon, il se trouve que le prétexte, je vous remercie, ça, je suis très honorée, je suis même flattée, je suis même extrêmement... Vous savez, il y a des personnes très... très modestes et puis très discrètes et très réservées et qui ne sont pas sous les feux de la rampe. Et c'est à eux que j'aimerais dédier cette interview. Car ce sont eux qui ont fait le succès de ce programme.